כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ואמר, כולם צדיקים לעולם ישוע ועץ, נצא מעתה עם העשייה די להתפאר. חולה שאין בו סכנה פטור מתענית זה. Le malade qui n'est pas en danger est dispensé du jeûne d'Esther. Mais nous rachetons l'armée à l'Atsmo, il n'a pas la faculté de pouvoir faire la Khumra à Filou, Miché, Tokvo, Khulcha, Ktsat, Ozeken, Shur, Tachushkoar, et Namrachem Nitanot. De même, une personne qui a eu une faiblesse ou bien qui est âgée et dont les forces sont faiblies, il n'a pas la faculté de jeûner. De même, quelqu'un qui aurait des problèmes oculaires ne gênera pas. Il fera Tanito, et lorsqu'il sera en pleine santé, il devra réparer et refaire un jeûne. Et là, Imken Achal Alpi Pegudat refait, chez Azeno Tsaïr Lifra Tanit. Toutefois, si c'est l'avis médical qu'il a prescrit, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de récupérer ce jeûne. De même, les femmes enceintes, celles qui allaitent et ceux qui sont malades, qui ne sont pas en danger, n'ont pas besoin de refaire le jeûne ultérieurement. Quelqu'un qui est en pleine santé ne devra pas se séparer de la communauté. Quand bien même on revient de voyage et qu'on est en voyage, on devra faire en sorte de jeûner, même si c'est quelque peu difficile. Quelqu'un qui s'est marié et qui, dans les 7 jours qui suivent son mariage, loitane betsom tanit Esther, ne fera pas le jeûne. Ren shlosha malébrit shem avi aben, mais c'est sandak v'amoed. De même, lorsqu'il y a une brit mila, le père de l'enfant, le sandak, celui qui tient l'enfant, et le moel seront dispensés de jeûner biyom amila, le jour de la mila, turim litanot tanit Esther. Filou Keshichal Bismano, quand bien même ce jeune d'Esther tombe en son temps, Benam Rachaim Narmir Lasmam Litonot Shiom Tov Shelaem Hu, car c'est un jour de fête pour eux.